Bon, voilà le machin en préparation. Donc, ça c'est le châssis pour le moteur à obturateur rotor tôle. Donc, en fait, j'ai deux parois là qui sont pas encore. Enfin, celle-là va être fixée au châssis. Elle n'est pas encore. Donc, j'ai installé les trous à la fois des aimants et à la fois pour mettre les tiges filetées. Là, il y a la contrepartie identique, étant donné que les aimants vont être en vis-à-vis nord-nord ou sud-sud, ça va avoir tendance à se repousser. Donc les tiges filetées qui vont faire la liaison entre les deux, comment dirais-je, supports vont pouvoir rapprocher à loisir, de manière à pincer, les tôles qui ne sont pas encore présentes, donc les tôles qui seront fixées sur cette partie-là. J'ai fait un bricolage maison avec des vieilles poulies que j'avais. Voilà, donc elles sont complètement indépendantes toutes les deux. Donc la tôle sera fixée sur le bord interne en ce qui concerne l'excentré rotor. Et la tôle obturateur sera fixée sur ce bord interne-là. Donc l'avantage, c'est que, étant donné que j'étais obligé d'accoupler deux poulies pour pas avoir de jeu au niveau comment dirais-je, des roulements à billes. En temps utile, je pourrais mettre une ficelle soit sur cette poulie-là, soit sur cette poulie-là, afin de pouvoir faire des tests de traction avec des poids montés sur ces mêmes ficelles. Voilà. Voilà, j'ai fait ça entre hier et aujourd'hui. J'aurais bien voulu avancer plus, mais bon.